Matin! Bon, matin! Il est genre 8h20. J'ai tellement hacké. J'ai mal dans le cou, j'ai mal dans le dos. Je comprends pas. Je sais pas si c'est ma box depuis le 2 jours. Aïe, aïe, aïe. Je suis même pas hacké des jambes, genre. Je suis hacké du cou, du dos. Aïe, aïe, aïe. Là, je me suis commandé un déjeuner. Je vais me prendre un petit déjeuner au lit. Grâce à Tiné, ça s'en vient. Mon classique du Amy's. Genre, après ça, je vais me laver, puis je vais à l'autre job. Un bon petit déjeuner parfait. Il y a tellement de patates, c'est genre même pas drôle. Avec les petits fruits ici. Bon appétit! Bon, fait que, désolé le lavage en arrière. Ma journée a pris une petite tournure un peu différente. Non, pas une tournure différente, là, mais là, j'étais en préparation pour aller au gym. Puis, je texte mon amie, Marie-Sophie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, t'as rien du tout. J'ai dit, moi aussi. Puis là, fin de l'histoire. Puis là, j'étais comme, ah, mais ça, je rehausse pas. Mais tu sais, je suis pas une fille de spa dans la vie. Tu comprends? Mais Marie-Sophie, c'est pas une fille de spa non plus. Fait que deux filles, pas spa, ils roncent pas. Tu comprends? C'est tellement drôle parce que je me rappelle la première fois, on s'est fait masser, genre, à Mano au spa. On était comme, on est vraiment pas des filles de spa. Mais on avait vraiment trippé. En tout cas, bref. Fait qu'on va aller au Strom Spa ce soir. À genre 17h jusqu'à 21h dans les bains thermales, pis tout ça, pis c'est nice, genre, c'est vraiment de la cash, là, mais why not, coconut? Fait que revirement de situation pour nous autres, c'est quand même cher, là, c'est genre 84 $ plus taxes par personne. Mais, YOLO! Pis, tu sais, je sais pas, je pense que, tu sais, moi dans la vie, je tripe pas à être. Je ne trippais pas être en maillot, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aimais pas ça à l'eau spa. Mais là, avec comme les derniers mois, les dernières années, pis ça, je me feel un peu plus. Je vais dire ça de même. Oui, mon corps a changé, puis il est plus musclé, puis tout ça, mais je pense que c'est dans la tête aussi. Dans le mindset, tu sais. Je sais pas, je me feel, je suis comme, ah, ça me dérange moins de me voir en maillot. Tu sais, là. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est pas ce soir. C'est pas ce soir, mais là. On va commencer par un petit gym. Je m'apprête à manger mon restant de déjeuner de ce matin. Ça me fait toujours de repas. Check mes sourcils. Je suis allée faire mes sourcils. Moi, j'ai fait faire au fil. Sourcils au fil, c'est comme des genres de soie dentaire que les madames prennent, ils font des affaires avec leurs mains. Puis là, tic, 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 ça leur enlève les sourcils. Genre. Puis je trouve que vraiment, là, c'est sûr que c'est rouge un peu. Là. Mais la job est bien faite. Je me sens fraîche. Je me suis entraînée, ça m'a fait du bien, j'ai moins mal. J'ai moins mal au cou. Puis ça, je suis vraiment contente que ce matin, j'étais comme, hey, vois-tu, mais ce midi, j'étais à mon entraîneur. J'ai envie de faire des jambes, genre. Puis, quand t'es un. Comment je dirais ça? Quand t'es un coureur. Mais je trouve ça dur de mixer les entraînements de jambes avec la course, parce que je sais jamais quand c'est le bon moment de faire mes entraînements de jambes. Bref. Hein. Là, étant donné que j'avais fait ma longue distance hier, puis je me sentais top shape des jambes ce matin, j'avais aucune douleur, tout ça. J'étais comme, OK, I think that's time. Puis elle m'a fait faire, j'ai fait du leg press, j'ai fait des genres de calf raise sur le leg press, là, tu sais, des genres d'affaires qu'habituellement tu fais, comme tu lèves tes talons comme ça, puis après ça, tu mets tes pieds dans une autre position. Ben, ça sur le leg press. Puis en position V, là, tu sais, comme le leg press, c'est la patente que t'es comme couché sur le dos, puis tu pousses une espèce de truc avec des poids dessus, là. Mais l'espèce de calf raise, c'est genre, tu places tes pieds sur l'espèce de. Tu sais, d'habitude, tu mets tes pieds comme ça, mais là, tu mets tes pieds juste sur le bout, puis clac, clac, clac. Fait que ça, c'est bon pour comme. Je sais pas pourquoi vraiment c'est bon, là, mais c'est bon pour la course. Je vous dis. Fait que. Je suis pas bonne dans les explications comme vous pouvez voir. Fait que là, il est 1h30, je prends ça chill. Le spa à l'île des Sœurs, c'est à 5h. Fait que tu sais, je vais partir d'ici genre, je sais pas, 4h. Il n'y a pas de trafic le samedi. Oh mon dieu, c'est prêt. Fait que. Oh mon dieu, c'est bon. La vie est belle, la gang. La vie est belle. Puis Marisol, c'est tout le fun du spa. On a eu des petits pépins. Premièrement, là, il est 6h20. Puis c'était à 5h qu'on était supposé d'aller dans le spa. Mais là, Marceau, elle a pris l'autobus, puis le métro pour venir. Puis là, je la niaisais un peu.
Mais je la niaisais parce que genre était en retard. Mais là, moi, pendant ce retard-là, mon char a relâché dans le stationnement. Mais comme il repart plus, il est mort. Fait que là, on est pogné dans mon char à attendre le CA. Je vais faire remorquer mon auto au garage. Mais là, on est samedi aujourd'hui, je vous rappelle. Fait que dans le fond, les garages vont fermer le dimanche. Il va falloir que je me loue un auto pour faire mes premiers jours cette semaine. J'ai aucune idée c'est quoi le problème de mon char. Je vais vous montrer ce que ça fait, là. J'aimerais bien trop ça que ça parte. Attends. Genre, il y a un bruit vraiment bizarre, là. Vous entendez sûrement pas, là, mais mon check engine l'allume. Puis, en tout cas, ça marche pas pendant. Mais il fait moins longtemps. En tout cas, fait que c'est ça. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit que ça pouvait prendre jusqu'à 7 heures avec le CA arrive. J'ai proposé ben, à 7 heures. Ouais. C'est 90 minutes. Genre. Fait que là, on entend dans l'auto. Tu sais, je peux. Les pieds. Fais pas si. Ben, et toi, ça peut marcher. Fait que c'est ça! 84 $ de spa, ça rend le fun. Là, t'as-tu spa, toi? Ben oui, on est vivant, là. C'est des péripéties de la vie. Fait que là, bon, l'affaire. C'est le problème. Oh mon Dieu, j'ai un peu peur de comment ça va me coûter avec mon auto. Mais gars, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que là, le plan, c'est que mon char s'en va au garage. Moi, je vais retourner chez nous en taxi. Après ça, demain, je m'en vais me louer un char pour faire, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il y a mon auto, puis que je sais pas comment ça va me coûter, puis tout ça, puis je sais pas combien de temps que ça va prendre de réparation. Fait que bref, moi, j'ai besoin d'un char pour travailler, fait qu'il va falloir que j'aille me louer un char. Demain, je vais faire ça dans mon coin chez nous. Ça va être la gestion cette semaine. Heureusement, la gang, je n'ai pas mes enfants cette semaine. Ça va être un petit peu moins complexe parce que là, j'ai l'impression que, tu sais, moi, je vais me louer un char dans mon bout, dans l'West Island, mais là, mon auto va être à côté de ma job, parce que c'est à côté de ma job, là. Fait qu'au moins, il y a ça. Fait que bref, c'est ça le plan. Là, on espère qu'il arrive ce qu'on a d'aller dans le spa. Puis, on s'empêchera pas d'aller dans le spa. Non. Bye, auto! Bon, fait que l'auto est parti. Il est rendu 6h30. Mon char s'en va au garage. Puis, on s'en va au spa. Il est rendu 11h le soir. Je vais clore mon vlog. Oh mon Dieu Seigneur! Fait que je vous explique un peu comment s'est passé le restant de ma journée. On est allé au spa. C'était vraiment cool, ça l'a fait du bien. Honnêtement, là, dans la vie, là, il y a deux façons de voir les choses. Il y a avec un sourire, puis il y a la façon en tabarnak. Tu comprends? Quand j'ai vu que mon char avait lâché dans le stationnement, j'aurais pu être en tabarnak. Dis-moi, ben là, fuck le spa, nanana. Ça me sert à quoi, honnêtement? Puis, tu sais, Marie-Sophie est un peu comme dans le même vibe que moi là-dedans. Tu sais, je sais que c'est mon char pis c'est mes affaires, mais tu sais, elle était comme, so what? C'est quoi la solution? Fait que j'étais comme, ok, mais je vais reporter. Tu sais, je vais vous faire remorquer. Je vais revenir chez nous en taxi. Là, j'ai essayé, là, j'ai fait remorquer mon char à Verdun, où je travaille. J'étais à l'île des Sœurs, là. Le spa était à l'île des Sœurs. Puis moi, j'habite dans l'Ouest Island, vous donnez une idée. Fait que là, c'est ça, j'ai fait remorquer mon spa. je suis fatiguée, moi, ce temps-là. Mon auto. Puis là, je me suis dit, avant de retourner chez nous, en partant du spa, je me colle un taxi, mais je vais lui demander qu'il m'arrête à Verdun pour aller voir si mon char partirait par magie, t'sais. Parce que dans le fond, quand le CA l'a boosté, mon char est reparti. Je suis pas sûre que c'est la batterie, par contre. Fait que... parce que, tu sais, j'ai déjà eu des batteries qui ont lâché sur des chars, pis c'était pas comme demain que ça se faisait. En tout cas, bref. Fait que là, j'arrive au garage à genre 10h30 avec mon Uber. J'essaie de partir mon auto, ça marche pas. Je suis comme, ok, non. Soit qu'il est vraiment mort, soit qu'il a besoin d'un changement de batterie, ou soit qu'il a besoin d'un changement de n'importe quoi. Mais bref, il marche pas ce genre-là. Fait que j'ai mis mes clés dans la petite fente du garage. Je suis revenue chez nous en taxi. D'ailleurs, super fin taxi. Merci, genre vraiment. En plus, le monsieur du taxi est super smart. Genre, il voulait pas faire une longue ronde demain, disant je vais le faire pour toi. T'sais, il est 11h à soir, puis lui, il faut qu'il soit à la messe à 7h en matin, là, demain matin. T'sais, j'étais comme, hey, merci vraiment. Genre, merci monsieur. T'sais, t'es super fin, c'est un jeune. Monsieur. En tout cas. Fait que c'est ça. Là, demain, j'ai pas d'auto. J'ai mon déjeuner avec mon ami à 10h. Je vais aller me louer un auto à 9h le matin. Je vais essayer d'aller me louer un auto. Mais tu sais, une location d'auto, c'est à peu près 100$ par jour. Je sais pas comment ça va durer. Ça va me coûter une beurrée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis moi, je travaille avec mon auto. Fait que j'ai pas le choix d'avoir mon char. Puis
dans vie, je peux pas me fier sur personne d'autre que moi-même. Fait que, tu sais, j'ai personne qui peut me prêter un auto en attendant. Faut que je m'arrange, puis je travaille avec mon auto, fait que j'ai pas le choix. Fait que, ben, vous allez me suivre dans ces péripéties-là cette semaine, hein, on va voir. Fait que je vais aller voir avec quel char je vais me ramasser demain, puis combien ça va me coûter. Mais, il y a toujours des solutions, puis je veux dire, c'est la vie. Puis tu sais, on a ri, là. Je veux dire, mon après-midi au spa, en fait, ma soirée au spa m'a coupé une crise de beurre, je peux vous dire. Je suis crampée. Bref, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, puis on s'en va demain. Bye.